Et je pense que c'est la seule fois qu'il viendra dans son quinquennat et c'est la dernière fois, je pense, qu'il viendra en Nouvelle-Calédonie en tant que président, puisqu'après, il ne peut pas se représenter. C'est quelqu'un qui a organisé les trois référendums dans son premier quinquennat et son deuxième quinquennat, c'est lui qui va écrire le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française. Donc, si tu veux, ne pas être là, c'est lui montrer un désintérêt, c'est jamais bon. Et surtout, on va laisser la place aux indépendantistes parce que, crois-moi bien, les indépendantistes, eux, ils vont être là. Ici, c'est Kanaki, non au dégel du corps électoral, un référendum dans 3 ans. Si le président de la République française, il arrive, il fait un discours sur la place des Cocotiers, il est entouré d'indépendantistes avec des drapeaux Kanaki qui lui disent « Tes référendums, on s'en fout, nous, ce qu'on veut, c'est Kanaki demain », et que nous, on est resté à la plage ou au boulot parce qu'on ne voulait pas venir, eh bien, on en payera les pots cassés parce que ça reste un être humain. Le mec, il va venir sentir, il vient écouter, il vient discuter, il vient échanger. Et il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là. Et donc, nous, les élus, on sera là. Mais on a besoin des gens avec nous. Voilà.